looking back at home. The woman's very black on gold, and on the black and not on hold. Man, that you look so good, from a planet in the neighborhood. I was looking by the sea, she was looking by the sea, I was looking back at home. I was looking by the sea, she was looking by the sea, I was looking back at home. Votre nouvel album est comme un cocktail. Il a été produit par Will Birch, qui est un homme qui connaît Dr. Feelgood depuis 15 ans. C'est un bon ami. Et son attitude pour produire ce disque a été de faire quelques changements dans le son, mais c'est encore du Dr. Feelgood, comme les 14 albums précédents, et maintenant nous faisons le 15e comme les premiers. C'est un bon cocktail, c'est une bonne analogie. Est-ce qu'il peut nous donner la recette de ce cocktail et après tu me feras toute la traduction? Can you give the recipe for this wonderful cocktail? Oui, c'est deux mesures de rhythm and blues, une mesure de gin, trois mesures glace. Thank you.
Oh yeah. It's a great pleasure to be here this evening in Besançon. Merci beaucoup. Now we're going to do a song. Well, this one's from the Madman Blues record. It's called I'm Torn Down. She said, I'm a turn down. Almost level with the ground. I feel like this with my baby. Can't live out. Love you, baby, with my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and the evening, too. Every time you leave me, I'll be mad with you. I'm torn down. Something strong.
soon.
Sleeping in my cell. Got a whistle blow out. Got somebody else. Started in cell block number 4. Spit like fire across the prison floor. I said, come on, boys, get ready to run. Here comes the water winner. Just come out with your hands up in the air. You don't stop the riot, you're all gonna get a chair. Now face your shelter, so too late to quit. Now pass the dynamite. Second hour, the cheer guys get a man. We're back in the South, but every now and then.
La première question que je voudrais poser à Lee, c'est pourquoi avoir appelé Lee Brio et non plus Dr. Feelgood seulement? You might be waiting for this one. He wants to know about new album. Why is it Brillo and not Dr. Feelgood? Because it's just a slogan. It's like saying Coca-Cola. Doesn't really mean anything. Yeah, avec la pub ce soir. Il y a pas de raison en fait. C'est une idée qui est venue, un slogan. C'est pas pour dire que lui il est en solo et que c'est pas le groupe. Il renaît pas Dr. Feelgood comme c'était avant, je veux dire. C'est la suite de Dr. Feelgood. Oh oui, à 100%. He's just saying that, you know, nothing changed. Yeah, I admit that the title could be a little bit misleading, but in fact. Dr. Feelgood is very much an entity that the four members of the group are very, very tight together. It doesn't imply in any way that it's a solo work from me. On the contrary, it's more to do with the rest of the boys than it is to me. You know, it's just as I say, just like saying Ford or Mercedes-Benz, you know. Encore la pub. Il disait que parce que ça s'appelle Brillo, ça veut pas du tout dire que c'est un projet solo. Et lui, il est très solide et avec Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, c'est ce qu'il y a eu depuis 1972 et c'est ce qui existe. Et nulle part, c'est supposé d'être un projet solo. Il ne faut vraiment pas le confondre. Alors, donc, il y a eu un changement de formation en 84, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu la biographie. Quelle est la différence maintenant du côté de l'évolution musicale? He's saying that he knows this is a new formation, the band you have now. Yeah. Is this going to change musically in the group? Is it going to make any differences for you? Well, it's only a new formation in relative terms. I mean, Dr. Feelgood has been going for something like 15 years. This particular lineup has been going for 4 years. So 4s into 15 almost makes 16. So really, in the terms of most groups, this is a well-established band. No, we're going to carry on playing rhythm and blues, but this is the music we play, you know. Il estime que ça fait quand même 4 ans que le groupe, le line-up présent existe, et Dr. Feelgood existe depuis 15 ans, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est tout nouveau. Ça fait quand même un quart de la carrière. Donc lui, il estime que le groupe qu'il a maintenant est le groupe solide et vraiment le groupe qui va suivre. Musicalement, il ne peut pas dire que ça va changer parce que c'est le même line-up donc depuis 4 ans. Et lui, il pense que ça peut que continuer bien, quoi. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de ce nouvel album, Brillo. Je ne sais pas si je prononce bien, mais enfin... C'est le nom en français, Brillo. Oui, mais je me demandais si c'était un jeu de mots, parce que Brillo en français, ça veut dire que ça brille de partout, que c'est beau. Alors est-ce que cet album est vraiment beau? It's in French. Brillo means bright and shiny and fantastic. Is this because the album is my like eyes like this? You should see it. It means it's called bright and shiny because it's the color of gin poured onto fresh ice. Ça s'appelle Brillo parce que c'est couleur de gin sur les glaçons frais. Est-ce que cet album, ce nouvel album, a la saveur d'un cocktail particulier? Does this album have the taste? Tu sais qu'il parle français. Oui, mais... Oui, comprends un petit peu, mais je parle non pas. Yes, it is something of a cocktail, I admit that. In fact, I'm proud of that it is. The producer of the record is a guy called Will Birch, who is a man who has known Dr. Feelgood for 15 years. He's a very good friend of mine. And his attitude towards the production of the record should be that he would make some different changes in the sound of it. It's still Dr. Feelgood. We've made 14 LPs before now. There's no point in making number 15 sound exactly like number 1. So he has deliberately made a cocktail of it. And it's a good, that is a very good analogy actually. Est-ce qu'il peut nous donner la recette de ce cocktail et après tu me feras toute la traduction? Can you give the recipe for this wonderful cocktail? Oui, c'est deux mesures de rhythm and blues, une mesure de gin, trois mesures glace, en vigoré, qu'est-ce que c'est le mot? Shake it up. Ouais, yeah, comme ça, pour 2 minutes, ou 30 minutes peut-être, ouais. Et on, how do you say to pour? Verser. En verser, comme ça, et prendre comme ça. Justement, j'ai vu à la télévision que après tes clés, c'était un décapsuleur, un ouvre-bouteille. Est-ce que c'est encore un symbole, la bière et le rock'n'roll? Ça, j'aurais du mal à traduire parce que j'ai rien compris.
J'ai vu cet après-midi. Regardez les yeux qu'il a. J'ai vu cet après-midi à la télévision qu'après ses clés, il avait un décapsuleur, un ouvre-bouteille. I do call that. A bottle opener. A bottle opener. He saw you in Italy with a bottle opener. And I would like to know if the beer and the rock and roll is always together. Well, what it means is that you're an alcoholic. Well, the bottle has been a comfort to me in the last 15 years. But at the same time, I've also seen some very bad tragedy. People who have been very good friend of mine, you know, killed themselves through rock and roll, not just through the bottle, but through other things as well. You know, so some people get killed in airplanes, some people get killed on the ground drinking. You know. C'est la vie. Dit que quand même depuis 15 ans de rock and roll, la bouteille était quand même un confort dans certaines choses. À Besançon ce soir, ça a l'air de ne pas être le cas, ça a l'air d'être bien pour tout le monde de Besançon. Mais il dit que quand même il a vu pas mal d'amis dans le rock and roll qui se sont fait tuer, ou pas uniquement à cause de l'alcool, mais c'est trop facile à tomber là-dedans. Quoi. Alors maintenant je voudrais parler un peu de la scène anglaise, comment un groupe comme Dr. Feelgood peut survivre. Est-ce qu'il n'est pas noyé dans toute cette masse de musique avec des synthétiseurs tout partout? Est-ce que c'est possible encore en 86 pour un groupe de rock, de rhythm and blues, de vivre en Angleterre et par ailleurs d'ailleurs? Yeah, there are still some groups who play rhythm and blues to this day in England. And in fact, if anything, it's a scene which is now thriving amongst a younger generation, interestingly enough. Quite often we go to clubs and to pubs up and down in England, Scotland and Wales, and there are another generation of kids playing this music, which is fantastic for me, because I think I was a third generation rhythm and blues player, and now we've got a fourth and fifth generation playing it as well. It's very good. Well, à tout à l'heure, après le concert. Merci beaucoup. Après. Pleasure.